Eh bien salut, c'est BST. Vous savez, dans nos PC, on stocke nos données dans des disques durs ou des SSD. Vous l'avez deviné, c'est le sujet de la vidéo. Il existe trois types de stockage, les HDD, les SSHD et les SSD. Les disques durs ou HDD, pour Hard Drive Disk, ont une durée de vie de moins de 10 à 15 ans à cause de toutes leurs pièces mécaniques. Eh oui, un HDD, ça ressemble à ça. Un plateau qui tourne avec une tête de lecture, exactement comme les lecteurs de DVD. Les disques durs sont aussi très sensibles aux aimants. Et oui, c'est un disque magnétique. Donc, si vous approchez un aimant, vous risquez de perdre des données. Il existe deux types de disques durs, les 5400 tours minute et les 7200 tours par minute. Les 5400 sont plus lents, mais sont plus économes en énergie et font moins de bruit. Ils sont beaucoup utilisés dans les PC portables. Les 7200 tours par minute, eux, sont plus rapides, mais consomment plus et font plus de bruit. Ils sont beaucoup plus utilisés dans les PC fixes. Il existe également les SSHD, qui sont des disques durs avec une mémoire cache SSD. Mémoire cache, c'est une mémoire tampon qui va garder les données rapidement, puis les envoyer au disque dur. C'est une sorte d'hybride entre un SSD et un disque dur, qui est plus rapide qu'un disque dur, mais légèrement moins qu'un SSD, et qui est surtout beaucoup moins cher qu'un SSD. Et enfin, il y a le SSD, qui est le plus rapide de tous et le plus durable. Il existe 4 types de puces, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo durera une heure. La durée de vie d'un SSD ne peut pas être déduite en temps de fonctionnement, mais en cycle d'écriture-effacement, c'est-à-dire le nombre de fois où on va écrire sur la puce, puis effacer sur cette même puce. En moyenne, on atteint environ 8000 cycles par cellule, donc ça dépend vraiment de votre utilisation. Pour vous donner une idée de la différence de rapidité entre un disque dur et un SSD, mon PC avec un SSD démarre en 15 secondes, alors qu'avec un disque dur, il démarre en plus d'une minute. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous dis ciao!